Attention, les stations fréquences pour le QSO national de Canal 27, section sud-ouest. Les bonnes sont 13,51 tous de la part de Dindy 33, la planète Sibi francophone. Et c'est parti, de 21h. Ok, section 33, les bus 13,51 à toi, content de t'entendre, c'est vrai que ça fait des lustres. Mais bon, hélas, là, tu passes pas au QRA, donc je t'écoute là sur le web SDR. Ok, ben c'est pas grave. Le principal, c'est que moi, j'arrive à t'entendre là sur le web SDR. Voilà, c'est déjà ça, quoi. Alors, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul là sur la fréquence ce soir. J'entends, je sais pas si c'est un petit peu de propague, quoique là, je suis pas sûr. Mais j'entends d'autres stations là dans le lointain. Ok, c'est l'Italie là qui passe derrière. Voilà, là je viens de les entendre là dans l'oreillette, c'est l'Italie. Ah ouais, j'entends. Attends, ok. Voilà, ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un léger petit décalage sur le web SDR. Ok. Voilà, là comme ça, ce sera mieux. Ouais, ouais, je les entends là derrière. Pourtant, je suis étonné parce que juste avant ça, je t'ai écouté là sur le 555 et j'avais rien de tout ça. Et là, par contre, là ici, là sur le canal 27, oui. Alors j'entends d'un côté toi dans l'oreillette, les Italiens qui m'arrivent là doucement de l'autre. Ouais, je vois quelques traînées, oui, affirmatif. Ouais, ça arrive doucement. Hein. Bon, normalement, là, bientôt, d'ici peu, il y a Ludovic qui devrait arriver. Vers 21h30, on a une station là qui doit arriver également. Là, tout à l'heure, j'ai entendu dans l'oreillette, il y avait d'autres stations aussi, dont un mille pattes, là, qui est derrière, là, sur le QSO, c'est ça? Ah
Disons qu'en plus, lui, s'il est en train de rouler, ben forcément, il y a les aléas de la route là qui font que, évidemment. Hein. Et l'Italie là qui arrive, ça monte tout doucement. La seule écoute que j'ai, c'est via le web SDR. Et là, vu ce que j'entends, bon, j'ose pas montrer trop le volume non plus, hein, mais histoire que ça ne me fasse pas trop cacophonie dans la tête. Ah, chi. Mais bon, ça a l'air tout bon. Hein. Mais bon, c'est vrai que là, ça m'est un peu difficile de faire encore. Attends, je vais monter le volume. Et tu vas pouvoir. Tiens, il y a Angèle qui vient d'arriver. Ok, retour, Saxo. Oui, vas-y Angèle, les bonnes sont 13-51 de Dandy 33. Bon, j'ai l'impression qu'Angèle ne nous entend pas, gros. Ça fait longtemps qu'on s'était pas farci la propague là sur le QSO. Bon, attention, Dolu 33 pour le QSO. Est-ce que tu es là derrière la porte? Oui, Angèle, les 213 de Dandy 33. Angèle, allume le web SDR, Hachi. Et forcément là dans le bas Florax, bon, je sais plus, il a un petit peu renfermé, donc là ça passe pas là, de son côté là. Enfin bon, là il m'entend pas, hein. Les 213-51 de la part de Dandy 33. Et c'est étonnant, Saxo, que toi, ils t'entendent pas. En tout cas, je te confirme, tu passes dans le web SDR, ça c'est sûr. Et on voit ta trace. D'accord. Et toi là il t'entend pas, hein. Pourtant tu avais le micro et tout, mais là c'est étonnant quand même qu'il t'entende pas, quoi. Ou alors il a suffisamment de QRM pour que ça passe par-dessus, que ça lui bouche la vue.
Ouais, affirmatif. Alors, il y a Angèle, il y a Saxo, il y a Philippe. C'est un vrai langage de sourds ce soir. Hachi trois coups, ça va, toi tu es au milieu de tout le monde. Les 73, Eric. Oui, 73, Rémi, 73, tout le monde. 14, Victor Eco, 24, Eric. De Villeneuve-Lordon, ce signal. Bonsoir à tous. Philippe 73, non, c'est pas deux seuls Philippe, il y a Rémi qui est là, il y a Saxon 33, il y a deux, trois personnes qui sont là. Tu les entends pas, Philippe? Et il y a Angèle derrière. Attends, ils ont parlé en même temps que toi. Vas-y, Philippe, reviens. Ah bon, Rémi, tu l'as. Vas-y, Rémi, parle, sinon il t'entend pas, Philippe. Ok, ben moi j'entends tout le monde via le web SDR. Au QIRA, il n'y a que toi, Eric, que j'arrive à entendre. Et tout à l'heure, pareil, j'ai entendu Angèle. Hein, et lui non plus ne m'entend pas. Angèle, je n'ai pas entendu, je ne sais pas si c'est là. Angèle, c'est par là? Ouais, ok, Philippe. Voilà, c'est Philippe que tu as entendu, Rémi. Hein. C'est pas Angèle, il n'est pas là. Hein. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Et salut, Saxon aussi, 73. Impeccable, impeccable, il n'y a pas de souci. Allez, à toi, Rémi. Eh bien, je crois que ce soir, on va manger du spaghetti. Il y a longtemps que c'était pas arrivé. On a la propague de l'Italie là qui est avec nous. Hein. Ah oui, j'entends parler au fond, hein. Ah ouais, c'est ça, je les entends dans le web SDR, je les entends au QIRA. Là, ça arrive un petit peu par vague. Moi, c'est le repos ce week-end. Pour une fois, mais je reprends dimanche soir. Ah, ok, ok. Bon, mais écoute, ça te permet un peu de te reposer quand même. Ça me permet surtout de profiter du QSO. Parce que en plus là, là où je vais, là c'est en ce moment, c'est pas possible. Là je peux rien faire. Ok, ok. Allez à toi Philippe, vas-y. Philippe, 73-50 à toi, bon repos, hein, puis passez une bonne nuit, puis peut-être à demain, ok, avec grand plaisir, voilà. Donc je transmets, Philippe passe en clarté des stations. Ok, oui, bien reçu, les 73 Philippe. Wow, le grand maître du web SDR, des ondes interplanétaires, ça y est, il est enfin parmi nous. Okay,
en train de conduire apparemment. Je sais pas où il s'en va, Ludo. Là, c'est que j'entendais pas, en fait, je suis passé dans une zone, pleine de QRL, là, entre les balles de mitraillette, j'entendais pas sa cour. Donc désolé, mais j'ai entendu qu'il disait qu'il avait il s'interrogeait sur sa modulation, savoir si elle était bonne et tout ça, mais écoute, le peu que j'ai pu entendre, ça avait l'air pas mal, voilà. Et pour info, oui, je suis en train de conduire, mais il n'y a aucun problème, je fais ça en toute sécurité, parce que j'ai aucun micro dans les mains. Je vais vous parler de ça après, là, mais j'ai aucun micro dans les mains, c'est un truc complètement ma libre. Donc j'ai les deux mains disponibles pour faire toutes les achats dans la voiture, et je ne sais pas de me faire embêter par les forces de l'ordre. Donc voilà, je fais ça en toute sécurité, j'ai juste allé me poser un petit peu plus loin dans un coin pour vous entendre bien, là, puis voir que ma libre puisse me faire une belle vidéo, un bel enregistrement pour voir ce que ça donne, et puis voilà. Ok, allez, retour Rémi, moi je fais juste un petit clairix, je veux faire un café moi. Ok Ludo, c'est dans la boîte, y a pas de problème. Oui, j'ai fait une petite vidéo. Je sais pas de combien je vais la faire durer. Tant que ça peut, ben ça tournera. Y a pas de problème. Et effectivement, tu m'arrives là au QR1, avec un Santiago de 2, quelques petites pointes à 3. Bon, on voit que ça navigue un petit peu parce que par moment ça descend à 1. Mais là, la radio est pas mal. Par contre, j'ai l'impression que dans la modulation, il doit manquer quelques fréquences. Car c'est un petit peu étroit, je veux dire, au niveau de la modulation, mais la modulation est propre quand même. Ah ouais, mais c'est normal, déjà le micro est à côté de ma bouche, mais pas trop près non plus. Donc si je parle vraiment dedans, là ça va être mieux, à chier. Puis après, bon, il y a peut-être un peu des réglages à faire, voilà, c'est sûr que c'est différent. Après, t'as peut-être aussi les vibrations de la voiture qui viennent perturber un peu la modulation. C'est aussi pour ça que je modulais en roulant, c'est que je voulais pouvoir tester ce que ça donnait. Voilà, je vais me stationner là dans un coin, là je dois être sur un point pas trop mal question QRM, là je devrais entendre tout le monde. Je fais un retour micro sur Saxon 33, savoir si j'arrive à le copier là où je suis, sinon je suis un peu plus loin. Ah si, retour à toi Saxon. Ça passe très bien, écoute, là j'ai pas de signal à ton niveau, mais la radio est bonne, hein, elle est forte, donc tu passes au-dessus des QRM sans aucun problème, voilà. Après je me suis en mobile, hein, donc forcément je suis pas très haut, là j'ai quelques bâtiments autour de moi, donc ça va pas faciliter la réception. Rémi, j'ai pas le temps de regarder le signal, donc je testerai ça sur un retour de micro, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc bon, bah, forcément moi au niveau de la station ça va être un peu moins costaud vu que je suis en mobile et c'est pas les conditions aussi bonnes que quand on est en station fixe avec la manteau là sur le toit, voilà. Là avec le couche j'ai l'impression d'être au ras du sol, ah si. Je suis en rasmote, là, je me dis en rasmote. à toi ami. Ok. D'accord, donc ouais, au niveau du micro, il te manquerait des aigus, voilà, pour histoire de donner un petit peu plus de relief dans la modulation. Voilà ce qui te manquerait là, quelques aigus. Ah, ok, ça marche. Qu'est-ce que t'en penses de ton côté? Eric, retour au micro? Oui, de retour, ouais, j'ai dû me chercher un café. Ah oui, pardon, je l'avais zappé, tu vas en conduisant du coup. Ah pardon. Ouais, mais je sais pas de quoi vous parliez, hein. Allez, retour Rémi, et puis vous me direz ça. Ok, là on est en train de faire des tests sur le micro kit main libre, fabrication OM de Ludovic. Et donc il demande au niveau qualité audio ce que ça donne.
Moi, de mon côté, je dirais qu'il manquerait un petit peu d'aigu là, dans, dans la modulation pour donner un petit peu plus de relief. Car là, là c'est surtout là, dans les graves médiums. Et ça fait une modulation peut-être un petit peu sourde de mon côté. Il, y a, il manque quelque chose, ouais. Et ouais, je pense que ça doit être des aigus qui doivent manquer là, en ce qui me concerne. Retour Ludovic pour que Eric puisse t'écouter. Merci du retour, ben voilà, je te fais le test. Donc là je module normalement là. J'ai la tête qui regarde la route. Voilà. Donc c'est les conditions normales de modulation. Après si je me dirige un peu plus vers le micro, c'est peut-être un peu différent au niveau de la modulation. Je vais mettre dans les conditions où je regarde la route, là je suis censé regarder où je vais. Et je vais peut-être désactiver le, un truc là, sur le poste. S'il y a un écoliseur qui il y a un écoliseur qui est activé. C'est peut-être un peu fort sur les graves. Je vais désactiver, je vais dire ça tout de suite. Je lâche le micro et je reprends tout de suite. Voilà, je reprends tout de suite. Voilà, j'ai désactivé le, ce, cet écoliseur. Là, vous allez pouvoir me dire ce que ça donne. Voilà, Eric, je te retourne le micro. Bon, ouais, écoute, j'aimais bien avant, moi. J'aimais bien comme c'était avant. Par contre, ce que j'ai remarqué un petit peu tout à l'heure quand tu conduisais, c'est que ça prend beaucoup le bruit extérieur. Effectivement, ça ne m'étonne pas. C'est un micro qui est à côté de. Qui a 5-6 cm de la bouche sur le côté. En fait, j'ai fabriqué une pile qui se fixe sur la pipette et qui amène le micro jusqu'à quasiment pas loin de la bouche. Et je pense qu'il y a pas mal de vibrations en plus qui viennent par la pile en elle-même, hein, carrément. Puis bon, après, je suis dans la bagnole, donc c'est normal. Hein. Donc, ok, mais merci en tout cas, Eric, pour la fin d'info. Ouais, ok, de mon côté, c'est encore un peu plus dans les médiums. C'est... Non, c'est pas ça, là, tu n'es pas sur le bon réglage. Oui, là, ce que tu as fait, là, c'est augmenter les médiums, c'est tout. Non, comme tu étais avant, c'est mieux. Permission, monsieur. On reste comme tu es actuellement, hein, c'est mieux, voilà. Ben, oui, le break en avant. C'est sur le, peut-être le web des airs que c'est décalé, mais là il est calé en fréquence, moi je l'entends bien. Vas-y, Lilo. Ouais, je confirme que le web des airs qui est décalé. J'avais entrepris de le recaler, mais en fait, suivant les saisons, qui fait chaud, qui fait froid, il s'en décale dans la face et dans l'autre, donc en fait j'étais sans frais en train de le régler, alors j'ai fini par, par laisser tomber l'affaire. donc voilà, désolé, il est un peu décalé le web SDR, effectivement c'est pas grand chose, mais il y a toujours un petit décalage. Et je sais pas, c'est bizarre passer que d'une saison à l'autre. Voilà, donc bon, en fonction de la température, tout ça, c'est pas une clique à appeler un PC ISO, on n'y a rien comme ça, donc c'est normal, hein. Mais voilà, du coup, à chaque fois, je m'amusais à essayer de l'arriver parce que les gens me faisaient la remarque et j'ai fini par laisser tomber parce que sinon, je ferais que ça. Donc, voilà la réponse. Ouais, tu vois, juste pour terminer, si tu pouvais mettre un tout petit peu de un petit poil d'aigu supplémentaire, ça ne gênerait rien. Bon, là, c'est doux, oui, c'est pas agressif, c'est doux, mais c'était mieux au tout début, comme tu étais, voilà. Par rapport à la deuxième position. Voyez à toi, Rémi. Oui, c'est ce que je disais, un peu plus d'aigu. Tout à l'heure, c'était un petit peu sourd. Il manquait des aigus. Quand tu as touché à ton réglage, tu es parti davantage dans les médiums. Et non, c'est pas bon. C'est vraiment au niveau des aigus là, qu'il faut travailler le truc. Ah, ok, ça marche. Je vais regarder ça. L'égaliseur 3 bandes du poste. Là actuellement en fait.
fait, je suis sur le réglage que j'utilise quand j'ai le micro à main, qui semble convenir. Voilà, que j'ai pas touché. Et tout à l'heure, le deuxième essai que j'avais fait, c'est que j'avais carrément désactivé l'égaliseur. Donc c'était sans correction du tout. Alors c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'il y avait une modulation un peu plus plate. Utilisé dans les médias, ok, il n'y a pas de souci. Je me rendrai compte aussi sur la vidéo, je pense. Mais je vais voir, je vous laisse faire des allers-retours, là je vais retourner du choix à Saxon. Et puis je vais aller faire des. Je vais essayer de bidouiller un petit peu les petits réglages pour voir ce que ça peut donner. Voilà, allez, retour à toi, Saxon. Eh bien, le truc, c'est que moi, je l'écoute via le web SDR. Je l'entends pas du tout au QR. Alors, sous le web SDR, je me suis décalé un petit poil parce que, bon, ben oui, comme Ludovic a remarqué, il s'est un petit peu décalé. Donc là, je suis sur 27.275.100. Et là, comme ça, effectivement, je l'entends comme il faut. J'ai pas d'aiguille parce que, bon, ben voilà, je me suis calé par rapport à ça, quoi. Donc c'est bien dommage que j'arrive pas à l'entendre cuire hein, parce que là je pourrais lui faire vraiment un vrai report. Quoi. Ouais, là moi je l'entends légèrement un peu trop aigu, donc ça arrive presque quand il parle un peu fort à saturer un peu, tu vois. C'est un petit peu trop fort. Hein. Et ou alors baisse un petit peu le micro-gain, tu peux un peu. Si tu peux, baisse un peu tes aigus, t'as un poil trop aigu pour moi. Non, à toi, Saxon, ou alors le micro-gain qui est légèrement trop fort, baisse-le un peu pour voir, ou diminue un peu tes aigus. Ouais, ça tape trop fort là, avec un petit main, là, c'est... Quand tu parles fort, un peu, ça ne devrait pas se saturer un peu trop. Ah, c'est déjà un petit peu mieux, oui. Mais ça, on dirait que t'as un poil trop rigoureux. Pas grand-chose, mais il diminue un petit peu. Ouais, ça. Enregistré, Brick. Juste le break. Ok, vas-y à toi, Rémi. Ok, ouais, il y a un QSO. J'entends quelqu'un derrière qui appelle, à moins que ce soit un QSO parallèle. Oui, les 73 de la station, de la part du QSO national du canal 27, section sud-ouest, en avant. Attends, j'ai pas la berlue quand même. Moi, bon, j'entends rien. Maintenant, non, tout à l'heure, oui. Bah, il y a eu un passage, effectivement. Ah, merci, tu me sauves la mise. J'ai entendu qu'il y avait une station là tout à l'heure. Saxon, oui, en effet, je te confirme que c'est un petit peu dans les aigus, mais je savais déjà faire la remarque la semaine dernière que c'était un peu dans les aigus, mais je pense que ça te donne une radio un petit peu criarde.
Voilà, mais il faudra peut-être changer un peu les aiguilles, puis remonter les graves d'une manière, voilà, avec un petit peu d'égalisation, je pense que ça va le faire. J'ai un espère qu'il m'entend, parce que c'est qu'il a rallumé ses fesses, sinon, ben, Eric, il pourra se pratiquer aussi. Bah, juste que je confirme de mon côté que la radio est un peu criarde, donc un peu trop dans les aiguilles. Ouais, mais sinon, sinon c'est parfaitement compréhensible, c'est bien, hein, il arrive sans signal, mais ça va, ça passe. Hein. Ça arrive à passer quand même tranquillement ici. Je crois pour info Rémi, que tu l'entends pas, ça ne m'étonne pas parce que je crois qu'il sort un ouais c'est lui, un peu comme ça. La dernière, la semaine dernière, voilà, on avait fait qu'il est rapidement et il avait dit que ouais Rémi, c'est moi qui parlais, désolé, j'étais en train de parler avec quelqu'un d'autre. J'avais appuyé sur le micro. Mais non, c'est pas toi. Ah, d'accord. Attends, je crois qu'il y a quelqu'un là. Oui, non, non, c'est pas toi, c'était très, très QRP, les 73 Thierry. C'était vraiment, vraiment QRP, là, de mon côté. Hein. Donc là, non, non, aucune comparaison. Ok, 73, tout le monde. 73, monsieur Thierry. 73, tout le monde. Ouais, 73, ouais. Si tu vois, les aiguilles qu'il a en trop, ça sort, faudrait qu'il te les donne à toi un petit peu, Ludo. Et après, ça serait nickel. Salut Thierry. Ouais, mais je sais pas si ça marche comme ça. Ah ben, je crois que là, ça s'est précisé un peu plus. Ok, c'est l'Italie qui revient à nouveau de notre côté. The station on frequency. Bon alors, Rémi, est-ce que t'as des news? Denmark, over. Attends, et ça, c'est quoi c'est bien d'où un Italien qui parle anglais. Ouais, je crois que c'est bon, j'ai tout compris. Les news oui, je crois que ce week-end, il y a une expédition DX, d'après ce que j'ai vu là en coup de vent là, sur le groupe Facebook. Et autrement, il n'y a pas vraiment de news. Par contre, pour toi, Ludovic, j'ai une bidouille là assez intéressante qui m'a été passée par. Alors, comment c'est déjà 163 W Tango 27. Oui, c'est le Pays de Galles, l'Angleterre. Alors, il m'a passé là, plusieurs schémas sur les techniques de filtrage d'une station. Alors, je pense que là, oui, ça devrait t'intéresser parce que pour présenter un petit peu l'OM, il est ingénieur en électronique radio. Donc, au niveau de la bidouille, au niveau des schémas, là, des plans là, qu'il a fait, je pense que là, ça devrait quand même pas mal te plaire. Ah, ok, ok, ah, bah, ça peut être intéressant. Je sais que l'action m'avait bien proposé aussi un schéma là, de filtrage. Je ne sais pas, remarque, ce que c'est exactement comme schéma. Mais ouais, avec l'action, on avait déjà discuté un petit peu de filtrage. C'est carrément intéressant, même si j'en sais rien, c'est intéressant à étudier, de regarder comment d'autres ont fait et tout ça, donc ça m'intéresse. C'est sur ton forum là. Oui, oui, oui. Dans la rubrique, là, bidouille, technique, tout ça, hein, c'est dans cette rubrique-là. Et ça s'appelle... voilà, les techniques sur le filtrage d'une station. Un schéma sur les techniques de filtrage de station, quelque chose comme ça. Là, je ne suis pas connecté, je n'ai pas exactement le truc exact. Le titre exact... Mais tu verras, c'est ça, la technique de filtrage d'une station. Tu as, je crois qu'il y a 5 plans là en tout dedans. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment pointu comme truc. Hein. Alors déjà, moi qui ne comprends pas l'anglais, qui connais rien en électronique, alors là, j'ai pataugé mais complet, quoi. Ce que j'ai compris, c'est qu'il m'autorisait de partager ça sur le forum. Voilà, c'était uniquement pour le forum. Donc, pas de problème, hein, je t'en parle. J'irai voir ça, ok. Ouais. Non, faut encore me donner des idées, ça. J'ai pas fini de m'amuser, là. Ces jours-ci, je me suis amusé à démonter des cartouches d'ordinateur. Là, j'ai récupéré au boulot des ordi qui servent à rien. Et je me suis amusé à démonter les alimentations pour récupérer des corps de série. Voilà. On a amusé à faire des chiffres, des inducteurs, enfin voilà. Parce que les corps de série, là, c'est cher, c'est collé, pour en faire de bonne qualité. Enfin, c'est cher. On en trouve à moins de 10 euros, mais 10 euros pour un corps de série, c'est quand même cher, quoi. Je préfère
récupérer dans des alimentations comme ça, dans des tuerais à coups de masse pour arriver à sortir tout ça. Et puis voilà, sinon vous n'y voyez pas grand chose, c'est gentil. Enfin bref, ouais. Allez, je peux tourner le Terex. Ok, je sais pas si ça que je serais revenu. Oui, enregistrer la station qui a demandé la fréquence. Oui, j'ai quelqu'un qui m'est arrivé QRP de mon côté là. Oui, en avant la station. C'est parti, Thierry. Non, merci de me repasser le micro. Non, mais je vous laisse parler entre vous. Il y a quelqu'un qui a signalé, hep, la fréquence ou quelque chose comme ça, en avant. Ouais, 33, Benny, du Brossier, dans la Brossier, parce que c'est pas des bonnes amitiés. Je me pose un petit peu de monde, mais par moment, je suis excité, puisque j'ai 2000 pas qui sont sur les deux poids de bois en bas, là, qui sont arrivés, pour moi, un masque de poids. Sur le 27-275, voilà, alors, étant donné qu'ils sont plus près d'eux, que moi, donc voilà, j'ai entendu voilà, 113 du territoire blanc, 14 km 3304, la ville de la Ruscade. 14 km 3304 la Ruscade. Ok, les bonnes 1351 toi. De notre côté, on a les Italiens qui nous arrivent, tout ça, mais on a un petit peu de propagande là de notre côté. Hein. Alors effectivement, avant le QSO, j'ai entendu du monde qui était en AM. Là, les Italiens qu'on a entendus, là, c'était bien en BLU. Ah, oui, il y a un peu d'activité partout là ce soir. Hein. Oui, ils sont en AM, ils commencent à faire un match de rugby ou un match de foot, ils sont sur la 4 voies, ils sont juste à quoi, 800 mètres de chez moi là. Donc ils passent les bruits ici, retour ici. Je vois le problème, attends. J'ai cru. Ah oui, ben non, j'ai pas. Je croyais que j'avais enclenché le clarifieur. Non, n'importe quoi. Ok, ouais, je comprends le problème, ce qui fait que tu as du mal à nous sortir. Retour sur Eric pour 14 km 3304, la Ruscade. Retour Eric. Oui, 73-51, la station de la Ruscade. Eric sur Villeneuve-d'Ornon. Ouais, sans presse, Eric, ça passe, ça nous a passé un petit peu. Voilà, il faut que les bandes appuyées. Et quand c'est un petit peu aussi derrière, non? Ah, tu vois, c'est 73, c'est Philippe si je me trompe pas, voilà, c'est la Ruscade. Je sais pas si tu me copies, là, parce que je suis en voiture, là, donc les conditions sont pas aussi bonnes que quand je suis avec la station fixe. En tout cas, pas de signal, mais je te copie très bien, une très bonne radio. Retour à toi si tu m'entends. Ah, il n'y a pas de problème, je t'entends, je voilà, c'est mon amitié, comme je disais, il y a un petit problème. Il est l'histoire d'un 800 mètres, tu vas peut-être arriver là, tu vas deux fois de voir là, tu vois, ils sont en AM, voilà. Mais pas de problème, je suis à l'écoute de votre vaisseau, voilà, il n'y a pas de souci pour ça, voilà. Mais bon aussi, bravo quand même. Eh bien, ça nous fait bien plaisir, écoute, de t'avoir, hein, c'est sympa. C'est un petit moment, mais j'ai l'impression que je t'entends mieux ici que depuis le Pira, tu vois. Je me suis trouvé une zone capable de CCL enclenchée, là. Donc du coup c'est plutôt tranquille pour entendre. J'ai même pas besoin d'une noise blanqueur là ce soir. Donc voilà, je t'entends vachement bien, ça fait plaisir. J'ai l'impression de redécouvrir ta voix, assiste. Ben Ludo, tu te promènes en voiture, n'essaye pas de voler un sapin de Noël. C'est pas parce que t'as passé le tien qu'il faut aller en voler, hein. Ah bah ben, pourtant je comptais aller en déraciner là, tu vois. Ah non, mais c'est pas le genre, moi. Oh, et là, je veux faire les sapins de Noël, ça va pas, non? Moi, je préfère tout en plastique, il perd moins les aiguilles. Alors, ça sent moins bon, c'est vrai, dans la maison, mais au moins, ça perd pas les aiguilles. Alors, je plaisante. Pas de soucis. Allez, ça que est-ce que tu as redémarré le PC? Eh, hey, Ludovic, va falloir que tu lui dises qu'il se mette sous Linux. Hein. Au moins, il n'aura plus toutes ces emmerdes. Ah, bah, c'est
sûr, hein, faut utiliser les vrais systèmes d'exploitation, là, si. Bah, chacun fait ce qu'il veut, et tu as un fonction des préférences, là, voilà, voilà. Ah, je déconne, évidemment. Bah, ça va, on l'entend plus, hein. Tu l'entends bien, toi, vers Rémi, la Ruscade? Ah oui, oui, oui. Bon, c'est pas... de toute façon, là, tu pourras voir ça là dans la vidéo. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais il passe, hein, y a pas de problème. Oui, non, moi aussi, j'entends. C'est Philippe, là, son prince Philippe, ouais, Thierry, Livourne. Ouais, mais c'est vrai que moi, c'est pas une radio costaud. Pourtant, Livourne, la Ruscade, toi, je suis tué, la Ruscade, on n'est pas loin, mais on devrait entendre quand même assez costaud. Et ouais, ça fait pas du gros signal, voilà, je sais pas avec quoi tu modules, c'est Philippe, c'est ça. Ouais, Thierry, 33, de niveau, voilà, je dois dire, celui-là, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, je suis avec un Kémoul de CS-141. Voilà, et une GP-Z7, voilà. Mais qui n'est pas assez haute, voilà, qui n'est pas assez haute. Il faut que je la monte plus haut, voilà, plus que la Russia, mais moi, je suis un peu dans un sens, voilà. Donc, pour ça, voilà, faut que j'en mette un peu plus haut. Voilà, retour, Philippe. Ok, Philippe, ouais, non, mais d'accord, ouais, je te rappelle pas parce que je connais la Ruscade, j'ai de la famille qui sort à la Ruscade, ouais, je vois aussi. La Ruscade dit, bon, on n'est pas trop loin. Ouais, on t'entend quand même, mais ça, bon, c'est parce que je sais pas comment tu m'entends moi, ouais, ou comme t'entends Rémi ou les autres, c'est bon. Mais c'est compréhensible, voilà. Bon, ok, c'est tout bon, ça fonctionne bien. Bonjour, c'est toi qui as le support final, signal de tête, il dit bonne radio. C'est toi qui parle mieux, voilà. Ludo, il passe, il faut la voir, bon, il faut comprendre un petit peu. Rémi, j'entends, mais par moment, ben, c'est assez réussi. Il y a toi qui passe mieux, là. Ok, ouais, merci, c'est sympa de me le dire, mais je le dis pas, parce qu'après, ils vont m'engueuler, attends, je les connais, les oiseaux, là. Après, ils vont dire, ouais, Coyote, tu fais chier, t'arrives trop fort. Non, je plaisante. Allez, vas-y, à toi, Rémi. Ouais, non, mais de toute façon, on le sait, t'as toujours une modulation extrêmement forte. Et donc, en BLU, forcément, ça donne un coup de pied dedans, quoi. Et je serais curieux de voir quand même, là, côté micro, là, comment tu fais pour arriver à avoir une modulation aussi forte. Parce qu'en principe, pour percuter comme ça, il faut que ça vienne d'un poste CB. C'est con à dire, mais les modulations des K-métriques, c'est beaucoup plus feutré. Alors que là, ça casse tout, on va dire, au niveau modulation. Elle est propre, la modulation, je dis pas le contraire. Mais ça passe comme un boulet de canon, oui, voilà, c'est ça, quoi. Ah, mais je peux te le dire, hein, quoi. Non, mais tu sais ce que c'est qu'on me pense, quand même. Tu sais ce que, moi, j'ai le Yazzie TDX 1200, voilà, et j'ai le micro d'origine. Mais la personne qui me l'a réglé, moi, je vous dirai pas son nom, c'est un radio amateur, il est rentré dans les menus cachés du poste, c'est lui qui me l'a réglé, voilà. Après, bon, il m'a dit, je vais te le régler, tu vas voir, il me dit, ça m'étonnerait qu'on t'entende pas. Voilà, et moi je touche à rien. C'est lui qui me l'a réglé et moi j'y touche pas. D'accord. Là c'est bien compris. Oui, là, mais justement, là, comme je disais tout à l'heure, en principe, une modulation décamétrique, c'est une modulation qui est assez feutrée, qui est, je sais pas comment expliquer, quoi, qui n'est pas criarde. Voilà, là j'ai trouvé le mot juste, ouais c'est ça, qui est pas criarde. Et toi, c'est vrai que c'est limite criard. Quelqu'un qui passe à côté de chez toi, je pense qu'il a besoin des boules caisses. Ok, voilà, là ça va te faire plaisir, comme ça c'est pas mieux. Oui, non mais c'était pas une remarque, c'était juste histoire de donner une impression sur la modulation. Voilà, c'était ça quoi. Oui, non mais je me doute, je m'écoute, et voilà, attends, je remets comme je fais l'habitude, voilà, là, attends, on va faire ça, voilà, c'est pas... Après, ça dépend des réglages qu'on fait, oui, moi on me l'a réglé comme ça, j'y touche pas, le menu caché, j'y vais pas, c'est réglé, hein, on n'en parle plus, moi j'y touche pas, après je l'allume, je l'éteins, voilà ce que je fais, et puis bon, bien sûr, je trafique sur d'autres fréquences, voilà, mais les réglages qui ont été faits, je n'y touche pas, voilà, si on me dit ça va pas, mais si ça va pas, tant pis.
remarqué aussi, Rémi, c'est que j'ai remarqué quand sur tes vidéos que ton poste en écoute, tu n'as pas ouvert la bande passante à fond. Tu n'es pas en réception, tu sais, sur les derniers. L'avant-dernier, là, de l'équaliseur, puisqu'on a le même poste, tous les voyants, toi, ils ne sont pas allumés. Hein. C'est-à-dire que ta bande passante en réception, elle n'est pas ouverte à fond. Elle est plus dans les aigus. Elle ne doit pas être ouverte à plus de 2,4 kg. Oui, effectivement, c'est le maximum moins grand. Voilà le réglage que j'ai mis, ce qui m'évite de... Oui, évidemment, non, mais je comprends bien ce que tu vas dire. Ça rétrécit un petit peu l'écoute, mais en même temps, ça filtre un petit peu aussi, quoi. Essaye de le réécouter, toi. Mets-la à fond, à la réception, et tu vas réécouter Thierry, et tu vas voir la différence. Au moment où tu me l'as dit, je l'ai fait. Hein. Ok, retour Thierry, et après, il faudra qu'on réécoute Ludovic. Hein. Retour Thierry. Il veut dire que je lui casse les oreilles, mais les bandes passantes, ouais, moi là, c'est 4 kilos, moi, il me semble, ouais, c'est ça, comme je l'ai réglé, je sais pas, oui, c'est bien ça, ouais, enfin, l'ami, voilà, ça ne casse pas les oreilles, au moins, voilà, je vais arrêter de parler. Eh bien, Eric, hein, tu vois, là, ça m'a pas fait de différence. Hein, on est trop près l'un de l'autre là pour sentir une différence à ce niveau-là. Non, mais c'est bon. Retour Ludovic, là, pour voir ce que ça donne. J'ai enclenché un truc, là, vous allez me dire. Je trouve que ça va être dégueulasse au possible. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Non, mais la modulation de télé, c'est vrai qu'elle est très percutante. Il n'y a pas de souci. Hein. Après, c'est bien réglé tout ça. C'est bien. il y a ce qu'il faut, j'imagine. Donc tout va bien. Moi, ça ne casse pas les oreilles. Hein. Je suis un peu loin. Donc là, je suis en bagnole. Thierry, tu arrives avec un signal de 3. C'est pas fort fort, mais mon champ bagnole entre les bâtiments, c'est normal. Hein. T'arrives beaucoup plus fort que ça d'ailleurs, tu t'entends dans le MSDR, j'ai pas besoin de te faire de commentaires là-dessus. Voilà. Ça va très bien. Tu peux me casser les oreilles, y'a pas de soucis. Hein. Moi ça me dérange pas. Voilà. Ok, je vais faire ça sur la tête. Faction est revenu peut-être. Si tu veux savoir, j'ai pas l'amplificateur derrière, hein. Je suis qu'avec le poste. Ah, ça part derrière dans le lointain. Oui, mais c'est vrai, ça part en même temps. Sur le web SDR, j'entends. Ouais, c'était Saxon qui avait repris. Du coup, Thierry, je te réponds. Non, je ne sous-entendais pas d'ampli ou quoi que ce soit. Quand je disais ce qu'il faut, non, c'est vrai que quand on dit ça, en général, c'est référence à l'ampli, et c'était pas ça ce que je voulais dire, non, par rapport à ce qu'il faut derrière, c'est-à-dire un micro correct qui a un bon réglage, quoi, voilà, c'est ça que ça voulait dire. pardon, Saxon, du coup, on t'a surmodulé, retour micro. Pour ta modulation, toi, putain, tout le cuisson on l'a fait sur la modulation. comme je disais tout à l'heure, assez dans les médiums. Oui, j'ai vu là sur Facebook, alors là sur un autre groupe, il y a des EM qui aimeraient qu'on parle de ce qu'il faut pour monter une station
et avoir une bonne station, tout en restant d'un QSJ assez raisonnable, enfin pour quelqu'un qui débute. Voilà, que la tendance, à quoi il faut faire attention, pour ne pas se faire avoir, je veux dire, au niveau dans l'installation, c'est-à-dire réglage d'antenne, tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de nouveaux, et ils sont à la recherche d'infos, là, sur comment s'installer, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas dur, Rémi. Il se trouve un bon poste, une bonne antenne, qui a une grande gueule, et voilà, il peut commencer à faire de la radio. La radio, c'est comme ça. Ouais. Je déconne, faut que je déconne, moi. Ben, c'est un début. Tu as raison de dire ça, Thierry. Ma réponse risque peut-être de te surprendre. Mais tu as raison de dire ça, parce que quand on écoute sur le 19, pas mal ont peur de prendre le micro, à croire que ça va leur péter la figure. Alors que du moment qu'on va leur signaler un petit truc, un accident, un truc comme ça sur la route, paf, là, tu t'aperçois que tout le monde est là, quoi. C'est bizarre. Alors que tu lances simplement des appels comme ça, eh bien personne ne se sent concerné, et pourtant ils sont derrière l'écoute. Donc oui, tu as raison de dire ça. C'est vrai, il se met un poste, une antenne, ouais, il prend son micro, il gueule dans le micro. Alors, il y a quelqu'un, alors merde, c'est quoi ce bordel, personne n'entend. Il fait comme à nous quand on a commencé, on faisait pareil, hein. On connaissait pas la radio comme tout le monde, hein. Voilà, mais ils font pareil, et après ils vont apprendre. Ouais, parce que le truc qui se passe... Non, c'est bon, c'est moi que j'entends. Le truc qui se passe, c'est que y a des applications sur Internet qui se font passer pour de la CB. Enfin bon, bref, chacun en pense sur ce qu'il veut. Et il y en a une en particulier où, vu ce que j'entends dessus, les gens commencent à en avoir un petit peu marre. Et c'est là où c'est intéressant, justement, de les repêcher pour la CB, quoi. Tu peux dire le nom du site, et toi tu veux parler de CiviTalk ou CiviTalk, je sais pas comment vous dites, CiviTalk. Le talk, c'est pour les fesses. Ouais, mais on dit talk en anglais, CiviTalk. Ouais, ouais, mais après c'est bon, ouais, après chacun ses trucs, oui. Ouais, mais moi je lis l'application sur le portable, je parle, quand je pars de chez moi, je me connecte, je parle avec beaucoup de monde là-dessus. Ouais, mais ça c'est après, bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, c'est pas de la radio, c'est pour faire passer le temps, pour discuter. Ouais, le talk, c'est aussi pour les fesses. On va en avoir besoin avec le gouvernement. Oh, bien dit, mon petit kiki. Tu m'étonnes. Bientôt. En 2019, il a dit qu'il fallait les pharmacies vont baisser le prix du talc. Et de la vaseline. Ah oh, putain, j'allais le dire. Ah aussi. Ah, j'ai pas entendu ça, la vaseline. Non, disons qu'ils vont pas baisser le prix de la vaseline, ils vont faire une promo dessus, histoire de pouvoir vendre par l'eau. Ah ouais, si t'achètes un flacon, le deuxième est gratuit. Voilà. Je vois que t'es au courant. Ah ouais, mais je me suis renseigné déjà. Et à toi, comment il s'appelle? Ah, les deux, vas-y, pas le micro, merde. Non, mais le salt, c'est pour après, Ludo, pour après. Ah, d'accord, c'est pour éviter que de craquer les hémorroïdes, c'est ça? Voilà, le salt, c'est après la vaseline, après le reste, à la fin. En fait, Eric, je t'ai envoyé quelque chose, tu n'as pas répondu. Ah, mon téléphone, il est éteint, il recharge. Ah bon, parce qu'il faudra que tu regardes. Et je t'ai envoyé quelque chose, excusez-moi les autres stations, je t'ai envoyé quelque chose avec un prénom, mais tu dis pas la radio, et j'ai envoyé la même chose à l'autre personne, mais avec un autre prénom. Ben, je regarderai, parce que là, il est toujours en train de charger, il était là. Ok, non, tu regarderas. Ouais, allez, au suivant. Ludovic,
Alors, d'après toi, là, pour toi, pour qu'un débutant puisse... attends, deux histoires. Voilà, ok. J'ai relancé à nouveau. Là, pour que ce soit dans la boîte. Toi, le grand expert de la radio, et c'est pas moqueur hein, ce que je dis, hein, c'est sans toi, on n'y arriverait pas. Là, c'est, là, je déconne. C'est Noël, c'est l'heure des cadeaux. Pour toi, Ludovic, pour que quelqu'un puisse bien commencer à la radio, à la CB, sans être déçu. Alors, quelle est la tendance au niveau des postes? Quel genre d'antenne? À peu près dans quelle catégorie il devrait aller au niveau matériel? Bonne question. Alors déjà, j'aime bien la remarque de Thierry. Il faut une grande gueule, ça c'est clair. Parce que si tu ouvres pas la bouche, ça sert à rien d'acheter une CB. Hein, parce que bon, si c'est pour pas s'en servir, appuyer sur le micro, ça sert à que dalle. Au niveau catégorie, franchement, il y a des multimodes qui sont très bien. Quelqu'un qui peut récupérer un 6009 ou un truc comme ça, c'est très bien de chez CRT. Dans des gammes de prix, là, autour de 100, je crois que le 6009, il y a peut-être 100 et quelques euros, je crois. Après, si on monte un peu plus vers 200 euros, on a le 9009. Voilà, ce genre de poste qui font de la BLI. Moi, je conseillerais quand même un poste qui fait BLI, hein, parce que c'est un coup à être un peu frustré, quoi, de se dire, ah bah merde, j'ai acheté un poste qui fait LFL, super, et puis en fait je me rends compte qu'il y a des gens aussi un petit peu plus haut, et c'est con de ne pas pouvoir en profiter, donc bon. Après moi c'est pas complètement con d'acheter un LFM, hein. Si c'est quelqu'un qui fait du camping-car et tout ça, pour parler avec ses potes sur la route, je veux dire, rien à foutre hein, du poste en BLI. Hein. Mais si c'est quelqu'un qui me dit, bah, peut-être voilà, faire avoir un petit peu plus loin, bah, directement trouver un poste pas cher qui fait BLI, bah, ça fait le boulot. Hein. Surtout que bon, il y a là actuellement sur le marché, je vois pas vraiment de mauvais postes. Il y a le 9009 là, qui a eu des problèmes de surchauffe. Bon, je crois que les dernières versions sont corrigées. Mais à part ça, il n'y a pas de mauvais postes BLU. Il n'y a rien qui fasse que ça ne marche pas ou que ce soit vraiment dégueulasse. Quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'un truc comme une GD27 ou une Game Master là, comme Eric, c'est bien parce que je crois que c'est très régulier la Game Master, donc ça évite un peu les galères de réglage. Et puis il n'y a pas de radio, donc c'est moins compliqué à positionner. Voilà. Mon avis sur la question, retour à lui, puis tu fais tourner. Mais le moteur en marche, Ludovic. Ça va, il est en route là. T'as, plus ça allait, plus ça faisait crescendo. Excuse-moi Eric, Ludovic t'a fait un retour de micro. Ludovic, là tu fais l'amalgame entre de vrais postes CB multimode et des postes vendus aux CBistes. Et c'est là où justement là on doit expliquer la différence. Faut pas dire quel conseil tu pourrais donner. T'as commencé la CB, toi on t'a donné des conseils. On t'a dit ouais celui-là, ce poste est mieux que celui-là, ce poste est mieux que celui-là. Moi genre, si je lui ai donné un conseil, moi le mec qui se met à la CB, je vais lui dire, ouais tu prends un Cobra 200 GTL DX. C'est ce que j'avais dans mon camion, ça marchait du tonnerre. Mais avant j'en ai eu d'autres postes, voilà. Et il n'y a pas à donner des conseils. Le mec qui se prend un poste, il se prend une antenne, et puis voilà, ouais. Bon l'USB, si on sert de l'USB, parce que tu as plus de monde maintenant en USB, bien sûr, c'est plus comme autrefois, en AM, bon, je dis pas qu'il n'y a pas de monde en AM, il y en a, même en FM, bon, avec un poste qui fasse au moins l'USB, tu as raison, mais lui conseiller un poste, non, faut que moi aussi, on m'a dit, ouais, si tu verras que celui-là, il est mieux, il est plus performant, nanana, après, ça dépend des moyens, nanana, j'en ai essayé deux postes avant de mettre le Cobra dans le camion. Et après, j'ai tout le temps gardé le Cobra. Bon, après, il faut que le mec, après, c'est à lui avoir. Après, si c'est des nouveaux à la radio, si on commence à parler technologie,
ouais, parce que cette antenne, elle envoie plus de dB, alors le gars, si c'est lui porteur de la radio, pour parler, pour écouter, il connaît que dalle, comme moi, bien sûr, moi, je vais te le dire, moi, je connais que dalle, après, tu peux me parler de technologie, je connais que dalle, en antenne, c'est pareil, après, tu vois, ça va pas les intéresser, si tu comprends ce que je veux te dire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je n'ai cité aucune marque et aucun modèle. Juste des catégories. Et c'est vrai que là, bien souvent, même les vendeurs font l'amalgame. Et, alors, il y a d'un côté, oui, les vrais postes CB qu'on fait débrider pour avoir les supérieurs et ainsi de suite. Mais à côté de ça, il y a une multitude de petits postes radio-amateurs débridés pour avoir de 27 mégas dessus. Et juste pour l'information, je pense quand même qu'il est intéressant que les gens soient au courant de ce qu'ils achètent, quoi. Puisque là, par exemple, en cas de contrôle, ben, il n'y en a plus des contrôles c'est chez nous. Mais bon, on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri que ça revienne. Hein. On ne va pas dire jamais plus jamais. Mais bon, on ne sait jamais. Il vaut mieux que les gens soient quand même avertis de ce qu'ils ont entre les mains. C'est comme par exemple les PMR. Là aussi, les gens font volontairement l'amalgame. Il y a les vrais PMR 446 qui font 0,5, un demi-watt, antenne non démontable. Et ce que la plupart des gens appellent PMR, qui sont ni plus ni moins des postes radio-amateurs débridés pour la bande 446. Toi, là aussi, il est intéressant que les gens soient informés, juste pour l'information personnelle, de façon à savoir le jour où, d'être prêt le jour où, en cas de problème, et ne pas être surpris. Quoi. Oui, Eric. Je vais vous permettre de vous donner mon avis. Moi, je dirais que déjà, une chose, c'est des questions de budget. Après, c'est la personne. Soit elle va en faire un fixe, ou soit elle va en faire un mobile, ou alors un mobile et un fixe. Et après, je vais te dire, à l'heure actuelle, si je prends toutes les personnes qui font de la CB, toutes les personnes, ils sont hors la loi, parce que c'est pas tous les postes CB qui sont maintenant, c'est pas tous les postes qui ne sont non homologués, et tu prends même le dernier, le 7009, c'est pas un poste CB, le 7009, hein. Tu prends le poste CB, c'est 40 canaux AM/FM, et c'est tout, normalement. Alors, à l'heure actuelle, on n'a aucun poste qui est dans la légalité. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça, comme j'ai tout à l'heure, il y a d'un côté les postes CB homologués que l'on fait débrider, mais à la base, ce sont des vrais postes CB, et genre Jackson, Grant, Superstar 3009, et à côté de ça, les postes radio-amateurs qui sont débridés pour le 27 mégas, et là, on trouve 6009, 7009, 9009, RCI, voilà, on trouve ces postes-là, quoi. Et c'est vrai que, juste pour de l'information personnelle, il est quand même intéressant que les gens soient au courant de ce qu'ils achètent. Hein. Là, c'est clair. Hein. Ok, voilà le Cobra, tu regarderas le Cobra, je ne sais pas si tu connais, le Cobra 200 GTL DX. J'en cherchais absolument. Il y a une personne qui devait m'en trouver, mais ça, il a été vendu, ça, je m'en doutais. Il y a une personne avant qui m'avait donné. Toi, ça fait le deuxième que je rate. Et je peux te dire qu'ils sont pas évidents à trouver. Hein. Je peux te dire que je vais mettre le prix, mais je vais en avoir un. J'en aurai un. Ça, c'est sûr, je veux retrouver les 200 GTL DX. Voilà, je veux pas autre chose. Et j'aurai celui-là. Bon, après, oui, c'est comme dit Eric, ça dépend après les moyens, ta. Tu m'étonnes. Celui-là, il y a longtemps que je l'ai repéré, celui-là. Et c'est ce que j'avais dans le camion, moi. C'est ce que j'avais dans le camion. Tu peux le mettre en 4 watts, et venir, t'as que deux positions. C'est 4 watts et 100 watts après. Ouais. Et c'est un truc qu'on avait dans le camion. Plus bon, j'avais l'ampli 600 watts derrière. Bon, mais enfin bref. Mais c'est pas évident à trouver. Je cherche, hein. J'en ai parlé à plein de personnes. Dès qu'ils en voyaient un, l'autre fois, j'ai un mec qui en vendait un.
me rappelle plus combien il le vendait, si c'était pas 250 euros ou 300 euros. Et il je l'appelle, il me dit, mais j'ai quelqu'un qui m'a envoyé le chèque, voilà, et il me le prend. Ouais, mais j'ai dit, mais si c'est des vices, j'ai votre numéro, ouais, mais vous savez, un chèque, j'ai dit, moi je vous le paye de suite, je vous en amène 100 euros de plus si vous voulez. Là, je vous fais le versement de suite, si vous avez un compte PayPal, je vous fais le 100 euros de plus. Il n'a jamais voulu, le mec. Moi, je dis, c'est normal, vous avez raison, vous l'avez promis, c'est normal. J'insistais après, bon, c'est normal. Mais j'ai dit, si le gars se désiste, vous avez mon numéro, vous m'appelez aussitôt, je vous le prends. Tiens, justement, là, je suis tombé sur une photo de l'intérieur. Il est bien rempli, hein. Ouais, là je suis en train de rêver devant, là, non mais c'est vrai que ça fait des années que je l'ai repéré celui-là. Ouais, s'il y en a un qui veut siffler derrière, c'est vrai qu'il allume son ampli, hein. C'est pas grave, tu me dérangeras pas. Ok, retour 14 km 3304, tu es là? Oui. Ça commence à peine, voilà, la partie riche qui passe, ça se vient vite. Et apparemment, je vous laisse un temps bizarrement, des fois, pas du tout. Mais ben voilà. Vous entendez très bien, voilà, ok. Retour, Cyril, parce que je sais pas si c'est l'expérimentage en ce moment. Si, si, je t'entends très bien. Ok, retour, Eric. Tourner sur le dos et après tu seras tourné sur traction, vas-y. Ok. Bah ouais, pour les fêtes, c'est assez libre en fait. Oui, là, pour la catégorie de la bécane. De toute façon, ouais, la norme suivie c'est 4 fois, t'as MFM, SSB et puis basta quoi. Donc des postes comme ça on en trouve et je pense pas qu'il y ait vraiment de mauvais postes, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc à l'arrière c'est plus le QSI en fonction de l'occasion qui se présente et puis surtout le look, hein, il y en a qui tombe amoureux de la façade d'un poste, qui trouve ça chouette, et même si le poste il a quelques petits défauts, machin, si t'es pas assez suffisamment técos, technicien pour te prendre la tête avec ça, bon bah voilà, tu l'achètes quoi. Voilà, bon, mon avis, mais ouais, c'était bien de préciser. Thierry, tu me diras ce que tu as fait de ton poste là, parce que pour que tu en cherches un comme ça, c'est que tu as dû te débarrasser de l'autre. Bon, j'imagine que tu le regrettes. La question, c'est qu'est-ce que tu en as fait? Alors, peut-être qu'il a cravé, je sais pas, bon, tu me diras ça sur un prochain passage. Je fais le retour sur Saxon, retour à toi, Saxon. Non, j'entends pas, par contre j'ai entendu un étranger derrière. Ah non, c'est quelqu'un qui fait le con, ça. Je te dis que c'est quelqu'un qui fait le con. Ouais, non, Ludo, pour te dire, non, je l'ai pas balargué le poste, t'inquiète pas. Je l'avais dans le camion, je l'ai prêté à un de mes petits neveux, et voilà, et c'est qu'il a voulu. C'est qu'il a voulu toucher, puis il m'a cramé le poste, voilà. C'est ça que, tu vois, bon. J'aurais jamais dû lui passer, bon j'ai dit ça tu touches pas, tu fais ça, comme ça, il me l'a carrément bousillé, il m'a bousillé le poste, bon. C'est pour ça que j'en cherche un autre. Je ne l'ai pas malargué, autrement je l'aurais encore. Il y en a qui m'ont entendu avec, hein, j'avais pas de décamétrique avant, je peux te dire que ça passait aussi bien que le décamétrique. Ok, ça marche, ouais, bah c'est con ça. tu dis, bon, allez, c'est bon, quoi, je le prête, machin, faire plaisir, et puis bon. Ah, ça fait un coup à foutre la merde dans la famille, hein, pendant l'air fin de Noël. Hein. voilà, bon, ça arrive, je sais pas, des fois. C'est vrai qu'un poste comme ça qui est un peu sophistiqué, un peu puissant, bon. Un peu puissant, attends. C'est comme si t'avais un décamétrique. Alors qu'il a oublié de brancher l'antenne. Ouais, je sais. Quand t'as 100 watts, il a déjà un notice. Puis quand c'est un petit poste de 4 watts, hein, voilà. De 4 watts, ça peut tenir le choc, hein. Et puis.
et puis éviter de pas cramer quoi. Mais bon. Voilà, c'est dommage, ok, ça marche, j'ai la réponse à la question, merci. Allez, j'essaie ton micro sur 5 comptes, sinon Eric, tu reprends. Et pensez à Philippe. Hein. Thierry. Oui. Tu l'as toujours le poste? Ah non, je l'ai plus, là, non, mais je l'ai envoyé à une personne, et que c'est irréparable. On aurait pu le faire réparer, mais ça vaut aussi cher que d'en acheter un neuf, tellement qu'il y a de mauvais décramé. Ah, parce que tu aurais pu le passer à Christophe, sans si jamais. Oh non, mais là, il a été envoyé, je vais te dire le nom, à Daniel, toi de qui je parle. Hein. Ah oui, d'accord. De bâtiment, pour lire, de bâtiment. Hein. Il a gardé ou quoi? Oui, il a jeté, hein. Ça valait trop cher. Les réparations valaient plus cher que valait le poste, mais j'en trouverai, il n'y a pas de souci. Après, tu regarderas, Dido, si tu connais pas le Cobra 200 GTLDX, quand tu seras chez toi, sur Internet, tu vas voir. Moi, j'en étais content et j'en veux un autre. J'en aurais un autre. Quand j'ai quelque chose, j'en aurais un autre. Voilà. Moi, c'est comme ça. Et pensez qu'il y a Philippe derrière la rescate. S'il est toujours là, ou alors il est parti dormir, je ne sais pas. Il est en train de parler. Comme il a dit qu'il t'entendait plus. Chacun a ses modèles préférés. Voilà, moi c'est le Cobra 200 GTLDX, voilà. Quand j'étais en camion, ben après, bon, voilà, il y a la dot, je sais pas, moi après, c'est pas Rémi son poste, Eric a un poste, Ludo a un poste, après, chacun, préfère ce poste là, là et là et là, voilà, après, chacun a sa marque différente. Voilà, allez à toi, Eric. Ouais, j'étais en train de regarder là, de remettre la photo là, comment il était, pour voir. Voilà. Mauricio, moi de toute façon, je ne vais pas me faire plus grosse pour ce soir. Je vais vous envoyer les meilleurs chiffres, et parce que demain je me lève tôt. Donc je vous envoie les amitiés à tous. Donc Philippe, Thierry, Rémi, Lido, Jackson, qui est derrière, je vous salue à tous et je salue les SWL qui sont à l'écoute. Et je vous dis bonne soirée, fin des émissions pour moi. C'était 14 Victor Eco 27. L'opérateur Eric, bye bye à tous. Attends, 2 secondes Eric. Juste là, 2 minutes. Il y a Christophe depuis Montlieu-la-Garde qui essaie de nous appeler derrière. Voilà, je suis en train de voir ça là, en visiteur Rachid sur le groupe Facebook. Christophe de Montlieu-la-Garde, je ne sais pas si tu m'entends en avant. Bon, moi j'entends rien. Vas-y, essaie Eric, là, juste avant de QRT, les 73 à toi, bonne nuit. Ah, j'entends rien du tout, hein. Ouais, mais d'essayer de l'appeler, quoi, je veux dire. Juste là, le temps 2 pour voir s'il réagit. Ok, la station de Montlieu-la-Garde, est-ce que vous avez la copie de 14 Victor Eco 27, l'opérateur Eric, sur le sud de Bordeaux, la commune de Villeneuve-d'Ornon? Voilà, je vais surveiller du côté Facebook, comme ça s'il met une réponse, bon, on verra bien. Ouais, mais il y a en quoi? Il y a en mobile ou en fixe? Alors, voici le message. Dame dit, je vous entends, mais visiblement, vous m'entendez pas. QTH, Montlieu-la-Garde. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme info. Ouais, mais s'il nous entend à Montlieu-la-Garde, on devrait l'entendre. Que... Ouais, mais il est en quoi? En mobile ou en fixe? Bon, de toute façon, s'il est toujours en écoute derrière, bon, il a dû nous entendre. Bon, on verra bien s'il arrive dans le QSO ou s'il arrive à passer. Hein. Oui, Ludovic. En fait, c'est chez moi. Toi, tu as la garde.
kilomètres, hein, je vous entends pas. Ah, t'es fini, oublie pas. Oui, j'entends. C'est un 73 viré, monsieur. Ok, Eric, bonne nuit. 73 viré, bye bye. Babouya, c'est Kiki, Roger, à demain matin. On dit Kiki Boubouille. Babouya, Roger. Roger, le top. Si j'entends, moi, c'est petit. Putain, rien. J'entends parler, mais c'est petit. Je comprends pas. Le silence. Ici, il parle. Non, non, toujours rien de mon côté. Et enfin, j'entends que ça parle, mais c'est incompréhensible. Voilà, voilà. Bon, mais il y a Philippe qui lui parle en ce moment. Bon, allez, c'est pas que je me fais plus trop tard, non, parce que moi je suis à la radio tard, tard, tard. Pas tard, tard, le fromage, hein, bien sûr. Mais je quitte le Rosenet, je m'en vais ailleurs, moi, maintenant. Allez, je vous dis la bonne soirée, merci pour le petit pinceau, bonne soirée. Bonne fête de Noël si on se rattrape pas à la radio. Et je vous dis à plus tard. Bye bye, over. Parce qu'à la radio, il faut dire over. Attention, over, c'est international. C'est comme ça qu'il faut dire maintenant. Attention, faut le dire. Dites-le parce que sinon vous allez vous faire engueuler. Allez, bye, bonne soirée, over. Ok, toi, je sais quelle vidéo t'as vu avec quand il y a eu le QSO avec la navette spatiale. À chaque fois les retours du micro, over. Ok, les 73, bonne nuit. Et, ouais, oui, il est 22h passé, over. Oui, mais je n'ai pas vu la vidéo, je les ai écoutés avec le PMR, parce que j'ai voté un PMR quand même, non? Mais tu aurais dû les entendre avec le PMR. Moi, je me suis mis sur la fréquence, je les ai entendus avec mon petit bordel, avec mon pocket. Et je les ai entendus. Je lui ai attrapé une ou deux fois, je les ai entendus comme ça. Et j'avais fait une petite vidéo justement là de dessus là à ce moment-là, mais ouais, c'est tout, pas plus. Et c'est vrai que c'était très court. Oui, mais il n'y a pas longtemps, ils ont fait une activation là avec une école. Et c'était entre 10, je me rappelle plus l'heure, entre 17h 20, je me rappelle plus, c'était un truc comme ça, 17h. Mais ça durait pas longtemps, ça durait un quart d'heure, même pas un quart d'heure. Et il fallait te mettre sur le je me rappelle plus, sur la fréquence, et c'est là où on les a entendus. Bon, on ne peut pas en parler, bien sûr, mais je les ai entendus ici. Voilà. Allez, bonne soirée, over, à plus tard. Oui, j'ai l'info là sur le forum, c'était, je sais plus si c'est 144-800 ou 145-800, je sais plus, c'est quelque chose comme ça. Ok, les 73, bonne nuit. Ok, c'est ça, ok. Allez, bonne soirée. Retour Ludovic. Ok, les 73, Thierry, à la prochaine, voilà, si bonne fête, si on ne s'attrape pas à la radio. Bonne soirée. Bon, ouais, je vais pas tarder à arriver au QR, enfin j'ai pris le chemin du retour là, donc je vais passer QRC aussi. Valérie, tout ça, tout le monde, ceux qui sont encore derrière, merci pour le QSO, c'est fort sympathique. Ils m'ont laissé le micro, j'ai hâte de voir la vidéo, voir ce que ça donne. Et puis bah, une prochaine en fréquence avec plaisir. Normalement demain soir, il y a moyen que je sois là, c'est pas sûr, mais bon voilà. Il y a moyen que je sois là, voilà. J'aurais tout remonté en fixe là, pour ce coup-là. Voilà. Bon, et à une prochaine. Bye bye.
Ok, oui, j'ai entendu quelqu'un derrière aussi. Ça doit être la propague, j'imagine. Ok, pas de problème. Ce soir, n'importe quoi. Samedi soir, je serai là aussi. Dimanche matin, non, parce que bon, dimanche soir, j'aurai le pro. Donc, pas de problème pour demain soir, Ludovic. On remettra ça, on continuera la suite de ce qu'on a parlé sur la fin, là, au niveau, pour que les nouveaux puissent se mettre à la radio. Car c'est vrai que là, il y en a de plus en plus. Hein. Je ne sais pas d'où ils arrivent, mais ils arrivent. Hein. Ils doivent faire des petits entre eux, hachis, là, pour que ça arrive comme ça. Quoi. Ok, Ludovic, puis en même temps, moi aussi, je vais passer en QRT. Saxo, je ne sais pas si tu es encore derrière. Philippe, 14 km, 33-04, les 73 aussi. Christophe, de Montlieu-Lagarde, les 73 aussi. Et ben, bonne nuit, bonne fin de QSO de votre côté, et à demain soir. Je ne sais pas si tu me copies les 73 aussi, hein, je suis complètement fais preuve d'impolitesse. Voilà, 73 à tous ceux qui sont à l'écoute, Philippe à toi si tu écoutes, et une prochaine en fréquence avec grand plaisir, voilà. Allez, bye bye. Oui. 73, Rémi, du Mansif, de la Bosse-Morie, de la Tu m'entends, Mont de la Garde, jusqu'à 15 km. Ouais, ben je sais pas, attends, je réactualise là du côté là, de Facebook pour voir s'il y a une réponse. Non, il y a Frédéric qui lui a dit salut voisin, bon c'est tout. Non, pas de réponse de Christophe, pourtant son message date d'il y a un quart d'heure. Donc, je sais pas, mais on verra bien demain soir ce que ça donne. Hein. Allez, moi aussi, je passe en QRT. Côté vidéo, putain, là, j'ai quelque chose de gros. Le PC, là, il va avoir du mal. Il va pédaler, là, je croûte, là. Parce que là, on est... Eh oui, j'ai relancé trois fois. Bon, ben, voilà ce que ça donne. Je dois être à 1h20 de vidéo, je pense, 1h25, un truc comme ça. Aïe, aïe! Bon d'accord, là j'ai de quoi m'occuper parce qu'en même temps en parallèle, alors pour t'expliquer vite fait, bon j'ai la caméra qui est devant le poste, ok, et j'ai l'autre là qui est braqué face à moi, d'accord, et pour une station que j'entends pas au QRA, j'ai la bande son que je dois récupérer sur le web SDR là, qui est toujours en cours d'enregistrement, et il faut que je fasse coïncider tout l'ensemble, aïe aïe aïe, là j'ai de quoi m'amuser. J'y passerai pas la nuit, ça c'est sûr. La vidéo sera mise dans le courant de la journée, ça c'est sûr par contre. Mais bon, vu la longueur de la vidéo, elle sera pas là, elle sera pas mise en ligne ce soir, hein, ça, c'est certain. Allez, les bonnes 73, Philippe, merci d'être parmi nous dans le QSO. Et puis ben, si t'es là demain soir, à demain soir. Bye. Ok, merci, bye. Allez, station de Montlieu-Lagarde, tu vois.